Qu'est-ce que tu fous là? L'entrée de service est derrière. Je viens voir Monsieur Marcano. Je m'appelle Lincoln Clay. Ça alors. Arrête tes conneries.
Tiens-toi à carreau, petit. Ou ça va chier pour ton matricule, c'est compris? Garde-toi sur le côté.
j'y vois que dalle, putain. Eux non plus. Détends-toi, on va s'en tirer. Fils de pute. Putain, Elise, qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Cette saloperie de foreuse a pas arrêté de surchauffer. Lincoln et toi, ça va? Ouais, ça roule. Ouais, Danny. Il met tout de côté pour qu'on ait la place de récupérer l'argent. Ok, dès qu'on aura réglé ça, le fric sera à nous. Grouille-toi! Ces enculés ont éteint la lumière. Occupe-toi de l'argent, je m'occupe de ça. On va le prendre en tenue. Ils vont nous débusquer, sois ce que tu fais. Bouclez-moi cet endroit. Bordel de merde! Les gardes vont nous découper dès qu'on va mettre le nez dehors! Dis à Danny qu'il doit nous sortir de là! Ces enfoirés nous ont coincés! Faut qu'on trouve un moyen de s'en sortir! J'ai du TNT, je pourrais le poser de notre côté et tout faire péter! Et à quoi ça va nous servir, hein? Avec du bol, le trou sera assez grand pour qu'on puisse tous passer! Avec du bol? Tu te fous de ma gueule? Tu sais ce que tu fais au moins? C'est de la dynamite, c'est pas sorcier, putain! La mèche s'est allumée! Barrez-vous de là!
Oh putain, enlève-moi ça, Alice. J'essaye. Danny a la jambe coincée. J'ai besoin d'aide. On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là. Allez, on décolle. Il est juste là. Les gardes rapiquent par le trou. Putain, en voilà d'autres. On ferait mieux de se casser d'ici. Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie. Ils nous trouvent la peau. Occupez-vous d'eux. C'est les flics! Ils nous tirent dessus! On n'emmerde pas Georgie Marcano! Ouais, je te vois, suceur de queue! Putain, du calme! Montrez-moi ce que vous avez dans le ventre, enfoiré! Allez vous faire foutre, bande d'enculés de mes deux!
Allez chier, bande de connards! Amenez-vous, enculé de consanguin! Putain de continue, ralentis pas! Allez chier, bande de connards! On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là! Allez, on décolle! Les gardes rappliquent par le trou! Putain, en voilà d'autres! On ferait mieux de se casser d'ici! Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie! Ils nous trouvent la peau! Occupez-vous d'eux! Les flics! Ils nous tirent dessus! Les flics! Allez vous faire foutre, bande d'enculés de mes deux! Les voilà! Merde, putain, merde! Allez chier, bande de connards! Oh, ça fait mal, putain! Allez vous faire foutre, bande d'enculés de mes deux! Allez, amenez-vous, bande de merde! Allez chier, bande de connards! On va trouver un autre moyen de se tirer. Ce tunnel débouche bien quelque part. On est tous là! Allez, on décolle! Les gardes rappliquent par le trou! Putain, en voilà d'autres! On ferait mieux de se casser d'ici! Ces fils de pute de flics nous barrent la sortie! Ils nous trouvent la peau! Occupez-vous d'eux! Ils nous tirent de putain, mais où est-ce que t'as appris à conduire un bateau? Je vais vous renvoyer d'où vous venez, dans les chattes de vos mères. On n'emmerde pas Georgie Marcano. Allez, amenez-vous, bande de merde. Continue, ralentis pas. Bouffez ça, enfoiré de flic. Je vais vous renvoyer d'où vous venez. Dans les chats de vos mères, putain! Ouais, je te vois, suceur de queue! La sortie! Grouille, Lincoln! Mais putain, t'es taré ou quoi? Merde, merde, merde!
Putain! Vise-moi, ces nichons. Hé, hey, chérie, tu veux prendre un pot de bon temps? Reste discret, Danny. Non, mais t'as vu ces nibards? Putain, sérieusement! Putain, ferme-la, tu vas nous faire arrêter. Arrêtez! Arrêtez, merde! Va te faire foutre! Mec, raccroche ce téléphone et magne-toi. Surveillez ce qui se passe. On est dans une merde, pas possible. On a besoin de ton aide. C'est tout. Pas loin du cortège. Danny est blessé. Les routes sont bloquées. Pas moyen de vous envoyer une voiture. Écoute, il y a une épicerie derrière le cimetière. Vous pouvez y aller. Ouais. Il y aura une voiture qui vous attendra au quai de chargement. Hé, hey, Lincoln. Fais attention à toi. Et ça vaut aussi pour Elise. T'inquiète. Samy envoie une voiture. Elle nous attendra au quai de chargement de l'épicerie. Heureusement qu'il est là. On y va. Putain de flic de merde, me dire quand la fête est finie? C'est moi qui dis quand la fête est terminée. Nous recevons encore des informations, mais il semble que la réserve fédérale du centre-ville de New Bordeaux a été braquée. Notre source interne au service de police nous affirme que plusieurs gardes fédéraux ont péri et que les braqueurs ont pu prendre la fuite avec plusieurs millions de dollars. Putain, t'entends ça? On passe aux infos. Ferme ta gueule, Georgie, faut qu'on bouge. Je te demande pour la dernière fois. Dis-moi ce que t'en as fait. Ah, je vous dis, je lui ai bien pris à cette putain. C'est pas ce qu'elle raconte. Vous l'avez regardée. Elle est laide comme un morpion. C'est le genre de grossesse à raconter n'importe quoi pour attirer l'attention. Le braquage a été retrouvé sous le quartier français. À toutes les unités, répondez. Les suspects sont un nègre d'environ 1m90 et un blanc d'environ 1m80, ainsi que deux complices sans identifier. Ils sont armés et extrêmement dangereux. Merde, ils ont trouvé le bateau. Reste tranquille, mec. Tout roule pour l'instant. Je suis sur le point d'exploser quelques côtes, petit. Un truc tombe par où chez ce garçon? Mon ami est trop bourré pour retrouver son chemin. Arrêtez de bouger de partout! Code 35, individu suspect. Non véhiculé, unité concernée enquête. Thank you.
homme noir. Intervention requise. Où est Georgie? On a été séparés. Avant qu'on le perde de vue, il a dit qu'on se retrouverait à la maison. Monte! Disponible. Individu suspect dans un véhicule. Les agents enquêtent. On arrive à s'en sortir. Je me couche dans un plumard de Nibar, peu importe ce que ça me coûtera. C'est fini? Ouais. C'est fini. Je savais qu'on réussirait, je le savais! On est riches, putain!
la donne quand tu veux. Le padré a pas trop l'air d'apprécier le plan. T'en fais pas pour lui. Ça me ferait chier de me prendre dans la gueule cette connerie de culpabilité catholique. Il est au courant de toutes les saloperies que j'ai pu faire dans ma putain de vie. Et il a jamais bavé. Si je dis qu'on peut lui faire confiance, c'est qu'on peut lui faire confiance. Ça me va. Bon, ça te ferait chier de me dire ce qu'on fout vraiment. On va buter Marcano et tous les salopards qui bossent pour lui. C'est des conneries. Si c'est tout ce que tu voulais, tu choperais un XM21 et tu te tartinerais de peinture de camouflage et tous ces connards seraient refroidis avant le dîner. T'aurais carrément pas besoin d'un centre tactique et de toutes ces autres merdes que tu m'as demandé. À mon retour, Marcano m'a offert Del Rey sur un plateau. Le vieux Samy a fait son temps, qu'il m'a dit. J'ai refusé. Alors d'après toi, tout ce qui est arrivé, c'est de ta faute. Les faits sont là. Et qu'est-ce que tu croyais que ça allait faire ? Organiser une petite fête pour Samy ? Lui offrir une montre en or ou encore un trophée pour service rendu ? On sait tous les deux que dans... Lincoln, ramène-toi ici ! Où est-ce que j'en étais ? On sait tous les deux que dans cette vie, il n'y a qu'une seule sortie. Et t'as toujours pas répondu à ma question. Je vais prendre le contrôle de la ville, quartier par quartier. Marcano voulait que je mène la danse à Del Rey. Qu'il aille se faire foutre. Quand j'en aurai fini, c'est toute la ville qui sera à ma pogne. C'est exactement ce que je voulais entendre. Condition, évidemment, que tu te sentes de taille. Et pourquoi pas ? Oh, je sais pas. Peut-être parce que tu t'es fait tirer dans la gueule. J'ai peut-être perdu une case ou deux, mais ça finit toujours par revenir. Ça se passe toujours comme ça. Si c'est pas la putain de vérité, ça. Autre chose. C'est pas une grosse surprise, mais la plupart des flics sont à la botte de salle. Ouais, c'est ce que je me suis toujours dit. Je suis pragmatique. Si les flics te voient taper sur les sbires de salle, ils s'en prendront à toi. Attention! Tu veux que je revienne te chercher ? Non, mec, c'est bon. Je retourne au motel. Passe me voir quand tu seras prêt. Bienvenue à la maison, fils. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge ? Arrête tes conneries. Sa caisse, c'est un monstre. Je veux que ce soit toi qui tue Del Rey. T'aurais pas dû dire non.
quoi ce bordel? Thank you.
crevais de chaud. Super. Il paraît qu'ils vont rapatrier James Earl Ray cette semaine. Ça me fait marrer qu'ils espèrent nous faire croire qu'un seul homme est responsable pour Dr. King. Trop facile. Trop banal. C'est ce qui m'inquiète. Disons que c'est lui qui a tiré sur le Dr. King, lui et personne d'autre. Et si c'était aussi simple que ça d'abattre de grands hommes, comme le Dr. King, le président Kennedy et Malcolm X. Rien ne changera donc dans ce pays. On chie, tu sues toute ta sueur, et un type se pointe et te prend tout, d'un coup comme ça. Salut, mousse au chocolat. Peut-être que je goûterai quand j'aurai le temps. Va te faire voir. Je vais être en retard par ta faute. Ça fait 3 ans, et j'arrive toujours pas à l'oublier. C'était ma première fois. Et on va les démonter morceau par putain. Si ça marche pas, on sera obligé d'y aller à la masse. Ouais. Ce qui me fout le cul, c'est que les Blancs adorent se taper des négresses. Ces petits Blancs adorent mettre au pas les Africains. Je pense qu'il est perdu. Hein ? Je pense qu'il se cache par là. Défonce-le. Un argot depuis l'autre côté. Merde. Éloignez-le. J'ai une balle pour toi. Si tu dois y passer, je t'emporte avec moi. Merde.
On veut tous que les sudistes dégagent de Darré. Dis-moi où est ton boss, et je ferai en sorte que ça arrive. Putain, merde. Va à la boutique Vaudou. Le patron se trouve là. Désolé pour ton mal de crâne, frère. Légal et juste. Comme si toutes ces lois aussi bien intentionnées. Petite fin du coup. Possible. Je demande dans ce type que la voie de Charest va se faire passer. Ce type a l'air drôlement louche.
jamais fait de grabuge. C'est tout une des études. Quelque chose, dis-le moi. Fais-moi voir ce que t'as. T'as qui ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce camion ? Il s'est passé quoi avec le magasin ? Le gouvernement m'a fait fermer. Ils veulent pas que les nègres achètent des flingues. Ils croient qu'on va commencer à dégommer les blancs ou je sais pas quoi. Fils de pute. Alors dis-moi, si tu veux. Vous revoilà. Oh, pardon. Une arme. Il va le tuer. Pitié, rangez cette arme. La police va s'occuper de vous. Dieu nous vienne en aide. Appelez la police. Appelez la police. Ça
de là. Faut qu'ils aient repétrié, là. Fichez le camp. Merde. Il n'y a personne dans le coin. Faut que nous s'en aille. On doit partir d'ici. C'est un blanc à tout. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Hein? Il a réservé au blanc. Courez! Mais... Sortez de là! Sortez de là! Tu vois cette roue? Je t'ai
déconne pas. T'es au courant pour la malédiction que cette sorcière a acheté à Bobby? Bobby était qu'un crétin. Et tu vaux pas mieux que lui si tu avales toutes ces conneries. J'espère que c'est un flingue en plastique.
T'as fini d'agiter cette arme dans tous les sens? Thank you.
Merci. Un vol de voiture en centre-ville. Merci aux unités du secteur d'intervenir. Désolé, madame. Ma voiture ! Ne prenez pas ma voiture ! S'il vous plaît ! Je vous plaît.
T'as l'air en pleine forme pour un cadavre. Cette Cassandra t'a retourné le cerveau, hein. Putain de taré, tous autant qu'ils sont. Lincoln, ça me fait plaisir de te voir. Lavo, ça faisait longtemps. Je m'attendais pas à te voir travailler avec les Haïtiens. C'est ça, ou s'incliner devant ces sales trous du cul de sudistes. Et tu sais bien que c'est pas mon genre de faire la révérend. C'est la putain de vérité. Cassandra a appelé pour dire que t'allais t'occuper du père là. C'est ce connard de Merle Jackson qui est aux commandes. Il a transformé l'établissement en bordel, et il laisse les bons faire ce qu'ils veulent à nos sœurs. Comment je le retrouve? Non, fais pas ça. Pas encore. La plupart de ces enflures de Dixie veulent se la jouer discret. Ils ont peur qu'on leur colle une balle dans le cul. Si je frappe ces opérations, il faudra bien qu'ils se montrent pour traiter avec moi. Je crois que je sais comment tu peux attirer son attention. Ils gardent des filles au deuxième, elles peuvent pas sortir. C'est pur sang, ils les appellent. Ils les dopent avec tout un tas de merde. Elle lui rapporte un max. Rentre en douce et sors-les de là. Je te tiens au courant dès que j'en ai terminé. Ça m'a fait de la peine d'apprendre pour Sammy et Ellis. Ils ont toujours été réglo avec moi.
sur moi. Hé hey. Monsieur Lavaux m'avait prévenu que vous viendriez. Les filles sont à l'étage, mais attention, les hommes de Merle sont partout. Merci pour le tuyau. L'occasion d'apprendre à lire, tu crois pas? Seigneur Jésus! Oh, regardez-la! Déjà fait tripoter par un flasher, chérie. Ok, je vais éviter de trop. Oh Lui dessus, Harvard. D'une vue. Que dalle. Bon, allez, on s'arrache. La réalité n'est qu'une illusion. Je peux voir les eaux du monde. Thank you.
Ce corps est froid. Gage, savoir s'il est toujours là. Allons voir par ici. Attends, on pourrait la voir. Il se montrera bien un jour. La réalité n'est qu'une illusion. Je peux voir les eaux du monde. Oh mon Dieu, ils allaient... En sortant d'ici, va trouver Cassandra au cœur. Pourquoi tu as une arme ? Passez le mot. Toute femme dans le besoin peut se rendre à la boutique le cœur transpercé. Merci. À moi, gamin! Tu l'as tué. Tu devrais tous les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Sors de là. Tout de suite. J'ai un petit quelque chose pour toi. Comme tu passes tes journées à cavaler, je me suis dit que ça te faciliterait la vie. Tu peux te servir de ça pour appeler des renforts.
Moi qui te prenais pour un pauvre égoïste. On en reparlera. Au fait, Miss Lancaster est déjà au parfum et prête à y aller. Je sais que t'en fais une affaire personnelle, mais si tu veux descendre sale et son sac à merde de fils, tu vas avoir besoin de ta tête. J'ai besoin de matos. Il paraît que vous êtes l'homme de la situation. Cassandra a dit que tu risquais d'appeler. J'aime bien apporter mon aide, mais... non plus. Montre-moi ce que t'as. Il est terminé, je me taille. Lincoln, ça me fait... J'ai libéré ces femmes. Putain, cet endroit est un vrai taudis. Ça fait mal au cul de voir ce que ces crevures de Pecno sont en train de faire. Dès que je mets la main sur Jackson, j'en finis avec tout ça. Merle a envoyé des Macs dans tout Delray. Il veut rattraper la thune qu'il a perdue. Liquide-les, et il pointera son nez au club. D'accord. Quand on aura fini avec eux, reviens. Je saurai si Merle s'est ramené au club. Les Doas t'accueillent. Tout comme le seul moyen de donner aux Noirs une chance de s'en sortir dans cette ville, c'est de coopérer. Donne-moi plus de territoire et je m'occuperai du reste. Thank you.
Cette saleté chez moi. Ce Donovan, tu lui fais confiance et je sais que vous avez vécu beaucoup de choses ensemble. Mais je le sens pas. Son regard ne m'inspire pas confiance. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Les négros sont pas les bienvenus ici. Attention. Faites un peu attention. C'est sûr qu'il y a eu un bruit. C'était quoi ça? Il y en a qui disparaissent dans le bayou pour moins que ça. Pourquoi tu me bouches encore la vue? Mettons-le en pièces. Ah, ce connard se laisse. C'est sérieux.